Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Où sont les appels aux dons qui devraient être retransmis en continu sur les chaînes de télévision? Où sont les promesses des milliardaires? Où sont la justice et la protection des civils? Où est l'État? Où est Rouen? Le jeudi 26 septembre 2019, Rouen a connu une catastrophe industrielle dans un silence médiatique et étatique retentissant. La mort de Jacques Chirac, et un tout va bien de la part des politiques, vous pouvez respirer, et la journée s'est achevée. L'usine Lubrizol, spécialisée dans la fabrication d'additifs pour lubrifiants industriels et automobiles, a tout simplement explosé, dégageant un énorme nuage de pollution noire opaque qui s'est répandu sur plus de 120 communes, au regard de la limite visible de la pollution. Pour mieux comprendre l'état de la catastrophe, c'est de revenir la veille, avant l'explosion, pour mieux connaître cette entreprise de son vivant, dont le nom résonne aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux. Lubrizol est une entreprise créée en 1954, dont le siège social est à Rouen. Elle fabrique des additifs pour lubrifiants, additifs pour huile, pour moteurs, pour des lubrifiants industriels et des additifs pour l'essence et le carburant diesel. Lubrizol est composée de trois sites de production à Rouen, au Havre et à Mourenx. L'entreprise certifie sur son site internet son engagement pour la qualité, l'environnement, la santé et la sécurité. Lubrizol suit également la charte mondiale Responsible Care, que l'on pourrait traduire en gestion responsable. Et les dernières déclarations de l'entreprise sur l'explosion attestent qu'une enquête est en cours et qu'ils sont conscients que les habitants environnants se posent des questions. Lubrizol est une entreprise soumise à la directive Seveso. Mais qu'est-ce que c'est ? En juillet 1976, à Seveso, dans le nord de l'Italie, une catastrophe écologique et sanitaire s'est produite propageant un nuage d'herbicides contenant des produits toxiques, provoquant l'hospitalisation pour les enfants des communes avoisinantes et la mort de plusieurs milliers d'animaux d'élevage. Cette directive européenne, née de cette catastrophe, impose aux États membres de l'Union d'identifier les sites industriels présentant des risques d'accidents majeurs et y maintenir un haut niveau de prévention, ce qui était le cas pour Lubrizol. Ce n'est pas la première fois que Lubrizol fait parler d'elle. Des incidents de fuite de gaz appelés thiol ont précédé cet événement tragique en 1975, en 1989 et en 2013. Sur ce dernier, la polémique avait enflé autour de symptômes perçus par les habitants, maux de tête, malaise et irritation des yeux. L'État à l'époque ne jugeait pas ces gaz toxiques, les pompiers avaient reçu plus de 3000 appels dans la nuit. L'entreprise fut reconnue entièrement responsable du préjudice causé et avait payé 4000 euros de dommages et intérêts. Un an après, un nouvel incident débouche sur l'écoulement de 2000 litres d'huile minérale dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales. Et donc, ce 26 septembre 2019, la mort de Jacques Chirac. Un énorme silence politique s'est abattu sur la ville de Rouen. Relativisant l'intensité de la catastrophe, chacun semblait se réfugier derrière un paravent d'irresponsabilité. En toute simplicité et déduction, nous pouvons tout de même affirmer que la chimie de synthèse n'a jamais fait bon ménage avec la santé humaine et la planète. Nous en constatons d'ailleurs tous les jours le résultat. Alors, un état d'urgence manqué ou ignoré? Un fait marquant qui peut permettre de comprendre pourquoi le gouvernement a minoré sa réaction et peut-être l'autorisation décernée à l'usine Lubrizol par la préfecture d'augmenter ses capacités de stockage sur les produits qui sont pourtant l'objet du classement Seveso. Et ça, c'était l'année dernière, sous le gouvernement Macron. Bref, Mediapart nous en apprend un peu plus sur le contenu des produits toxiques qui se sont échappés lors de l'incendie se propageant sur tout de même 120 communes. Selon un rapport de l'inspection des installations classées, daté de 2016 et obtenu par Mediapart, l'entreprise était déjà alertée sur les produits très dangereux pour l'environnement, irritants et nocifs dont elle disposait. Elle mettait également en garde contre les risques de formation de substances toxiques en cas d'incendie. On y trouve les sels de zinc dithiophosphorique
et leurs dérivés qui donnent des propriétés anti-corrosion et anti-usure aux huiles. Au total et après 5 jours d'attente, nous savons désormais que 5253 tonnes de produits chimiques ont été détruits dans l'incendie et sont retombés sur Rouen. La catastrophe est donc en cours, souillant sol et vivant. Les multiples résidus de produits qui ont jailli de cette explosion vont progressivement s'installer. Quel recours pour les habitants, les salariés, quelle solitude aussi. Un groupement ou un collectif va certainement se former pour définir les responsables, des plaintes vont être portées devant la justice, certainement pour l'inaction de l'État mettant en danger la santé publique et environnementale, mais également pour l'entreprise et sa gestion du risque Seveso. Tout cela pour attendre une dizaine d'années que les parties soient condamnées à verser quelques indemnisations qui ne perturbent pas trop les finances publiques ou la fortune personnelle du milliardaire qui détient Lubrizol. S'il devait nous rester une seule chose à acter, et qui correspondrait aux attentes futures pour l'humanité, il s'agirait de préserver le vivant sous toutes ses formes. Trop négligé, nous payons aujourd'hui le prix d'une inconscience qui n'a que trop duré. Ce qui arrive à Rouen n'est que la désinvolture d'un système. Lubrizol est la propriété de Berkshire Hathaway, l'empire du célèbre investisseur américain Warren Buffett. Portrait. Le petit Warren, né à Omaha, dans le Nebraska en 1930, n'aura pas à chercher sa vocation bien longtemps, puisque son père est courtier en bourse et membre du Congrès. Après un master en économie, il commence à gérer des portefeuilles boursiers. Il faut dire qu'il avait la rage et la compétitivité au corps. Aujourd'hui, Warren Buffett est un homme qui pèse en 2019 82,5 milliards de dollars, mais l'homme est généreux et donne quelques millions chaque année aux œuvres caritatives. Chacun jugera du degré d'humanité de ce cher Warren. Ce que je vois surtout ici, c'est un homme qui gère une multitude de portefeuilles sans finalement se soucier du résultat final et réel sur le terrain. Les femmes et hommes qui travaillent pour Lubrizol, l'environnement qui est autour de l'usine, ne sont que les derniers maillons d'une microseconde de pensée pour Warren Buffett. Cette situation me rappelle un autre événement d'une autre ampleur. Le 24 avril 2013 à Dhaka, la capitale du Bangladesh, le Rana Plaza s'effondre. Au moins 1135 morts et 2500 rescapés. Ce bâtiment précaire hébergeait les petites mains de diverses marques internationales de vêtements. Nous y voyons ici un même effet de la mondialisation et de la concentration du pouvoir que nous accordons par nos consommations à ceux qui les détiennent. Aussi, à l'heure où nous devons préserver la vie sous toutes ses formes, il est impératif que nous comprenions l'utilité de modifier les lois. Pendant au moins 70 ans, notre croissance n'a été fondée que sur la destruction de la planète et l'asservissement de peuples. Pourquoi ? Alors qu'aujourd'hui nous sommes aussi insatisfaits qu'hier et dans l'incapacité d'apprécier les choses simples et inhérentes à la vie comme l'accès à l'air, à l'eau ou encore à la nourriture. Nous misons l'ensemble de notre bonheur sur des objets extérieurs et polluants qui sont loin de contenter notre soif de satiété matérielle. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et que nous comprenons les enjeux liés au futur, préservation de nos ressources, arrêt d'émissions de CO2, de plastique et j'en passe, alors nous en déduisons que le meilleur moyen actuel pour réguler notre impact sur notre environnement est simplement de faire payer les pollueurs destructeurs. Nous sommes bien d'accord, cela demande à chacun de plonger dans ses habitudes et de commencer à les corriger pour ne pas être surtaxé. Mais c'est avant tout une modification complète du système dans lequel nous vivons. Comme dit plus haut, un système fondé sur l'exploitation des ressources non renouvelables et sur la pollution ne peut plus continuer. Aussi, imaginez les milliards de dollars dégagés par les multinationales pour tout d'abord réparer leurs abus, entretenir correctement leurs usines, mais également modifier leurs process de fabrication et d'emballage, ce qui éviterait de toujours remettre la faute sur le consommateur qui n'a souvent pas vraiment le choix, et celles qui ne pourront s'adapter disparaîtront. Nous avons bien connu la fin de la sidérurgie en France, l'exode des entreprises à l'étranger pour fabriquer à moindre coût, et maintenant nous vivotons dans un secteur primaire pratiquement inexistant, un peu comme le second, et un tertiaire qui subit de plein fouet les perturbations financières et la pénurie de ressources non renouvelables. Alors finalement, étant donné qu'il ne reste pas grand-chose et que tout est à construire, quelques multinationales manquantes ne sont que l'opportunité de se réapproprier du travail et un savoir-faire. Le principe même de pollueur-payeur permettrait de niveler les inégalités. Nous savons aujourd'hui que les plus riches polluent largement plus qu'un citoyen lambda. Aussi, par une fiscalité plus agressive sur les pollueurs, nous les faisons contribuer au pot commun de manière proportionnelle et légitime, si nous plaçons la pollution aujourd'hui comme première contrainte pour une entreprise ou un individu.
Il ne nous faut changer que très peu de choses pour modifier notre système, cependant il faut en avoir conscience et volonté. Monsieur Green souhaite force et courage à toutes les personnes touchées par cette catastrophe à Rouen, que réelle justice soit faite, préservons nos territoires de la folie économique, changeons pour exiger le changement. C'est tout pour aujourd'hui, excellente semaine à toutes et à tous, c'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça quoi, Green ? Oui ! Green, comment ? Oh, super Green ! Green, que ça peut être ? Green, la puissance, c'est pas possible. Green, tu vois ? Green, absolument. Green, plus Green.